Coucou les nounous. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve en cuisine avec Océane accompagnée d'un invité très spécial. C'est papa. Papa a participé qu'une seule fois depuis le début de la chaîne sur une recette. Donc là c'est la deuxième. Non, parce que c'est... Maman. Et papa commence pas à te toucher hein. C'est une occasion assez spéciale parce que demain on fête quoi? On fête l'anniversaire de Corentin. Et du coup aujourd'hui vous allez faire quoi? Le gâteau de Corentin. Alors c'est lui qui a choisi son gâteau. On va faire un gâteau arc-en-ciel. Alors ça s'appelle le rainbow cake en anglais. C'est-à-dire non pas challenge non. En fait ça veut dire gâteau arc-en-ciel. Alors nous on va le faire personnalisé. On va le faire façon Bounty. Vous allez voir pourquoi. Corentin adore Bounty, donc vous allez voir comment on va procéder. Papa est très indiscipliné. Alors Océane, il va falloir que tu dises à papa comment faire parce qu'il sait pas. D'accord? Je te fais confiance. Et surtout que je le surveille. Tu le surveilles? Ouais. Papa, est-ce que tu crois que tu vas arriver à faire un gâteau? Oui, oui. C'est un gâteau très difficile. Non, c'est trop facile. Non, en fait, j'ai pris la version la plus simple du rainbow cake. Voilà. On a essayé de faire une recette très simple. Là-dedans. Après ça, on le met là-dedans. Ah non, ça va couler là. Ah oui. Non. Après, je commence déjà à faire des bêtises. On va vous donner la liste des ingrédients pour cette recette. Super simple, vraiment. J'ai vraiment simplifié au maximum pour que vous puissiez la refaire avec vos parents. Donc, on y va, Océane. Alors, la liste des ingrédients, on aura besoin de quoi déjà pour faire la... Pour faire la pâte, il nous faut de la farine, des œufs avec du sucre. Après, pour faire la décoration. Non. Pour faire quoi? Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la crème, ma loulouse. Pour faire la crème, il nous faut de la noix de coco avec du chocolat et ça. C'est quoi, papa, ça? Non. Du mascarpone. Et pour la déco, il nous faut du sucre et des Smarties. Plutôt de la noix de coco et des Smarties. Aussi, Océane a oublié de vous dire, bien sûr, pour faire un gâteau arc-en-ciel, on aura besoin de colorants alimentaires pour colorer la génoise. T'es sûr que ça, c'est, on dirait du sel, non? Non, c'est du sucre. Ah bon, d'accord. Mais c'est, ça se fait comme... Alors, on y va? Oui. En premier, nous allons faire la crème et on va mettre, pour commencer, le mascarpone. Et avec la cuillère? Bah ouais, c'est mieux avec une cuillère. Non, mais tu fais comme ça, regarde. Oui, vas-y, fais tomber. Tout, hein. Ah oui. Attends, fais voir. Il est collé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce mascarpone? Touille. On le touille? Non, on le fouette avec le fouet. On a dit. Avec toi, t'as le droit, toi. Donc maintenant, on va fouetter avec le fouet. Allez, on fouette avec le fouet. Sorti, donc là, voilà. On a détendu le mascarpone, donc à quoi ça ressemble? Voilà, une super crème fouettée, ça ressemble presque à de la chantilly. Donc maintenant on va mettre quoi à l'intérieur, Louloute? Un pour toi, un pour moi. Ah bah non, hein, parce qu'on va en avoir besoin pour fouetter le reste. Ah oui, papa. Oh là là, papa. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, Louloute? La noix de coco. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous savez, elle est trop tout fort. Oui, tout. Mais non, pas tout. Si, allez, tout. Fallait pas tout mettre. Si. Et on met aussi le chocolat qu'on a fait fondre. Attends, je vais le mettre parce qu'il est chaud. Donc bien sûr, toute la liste des ingrédients sera dans la barre d'infos. Et oui, faites attention parce que ce chocolat fondu, ça peut être très très chaud. Donc vous aurez vraiment toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Vous inquiétez pas, comme d'habitude les amis. Et maintenant, on fouette. Ganache? Oui. Alors maintenant, au lieu de manger, il faudrait peut-être la mettre au frigo, non? Oui. Donc on va la mettre à refroidir. C'est Océane qui le fait? Oui. Donne-moi ton truc. Je vais le manger. Oui. Non, je ne mange pas. Mais la confiance. Non, je te promets, je ne mange pas. Non. C'est promis. T'as confiance, toi.
On va s'attaquer à la génoise. Donc à l'intérieur, on va mettre en premier quoi? Les œufs. Tous les œufs? Oui. Eh oui, tous les œufs. Ouais, moi je mets les œufs, d'accord? Oui. Mais tout, parce que là tu as. Attends, mais je vais essayer de faire tomber celui-là en premier. Non. Pourquoi? On n'y arrive pas? Compte-les combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dirait des abricots. 6, 7, 8. Il en reste un. 9. 9 avec 8. 9. Et après. 9. Ah, mais c'est normal, 9. C'est des œufs. 9. C'est des 9. 9, 9, 9 œufs. Mais alors après le sucre. Le sucre. Toi. Lui tout. Alors je le mets, papa. Arrête. Mais tu me fais peur là, t'es là. Ça va faire tomber. D'habitude, elle fait tomber, souvent elle fait tomber le pot dedans. Là, non. Et... Ah bon. Et maintenant. Et bien maintenant, on va allô. Fouetter jusqu'à ce que ça le ménage soit blanc. Allô. On va fouetter jusqu'à ce que le ménage soit blanc et que c'est presque ah ben c'est blanc déjà. De volume. Ah, non, ah ben c'est blanc déjà là. On y va, c'est papa qui va le faire. Les loulous, nous sommes arrivés à ce résultat-là. Donc voilà, donc ça a bien monté. C'est bien aérien, bien mousseux. Donc ça, c'est très important. C'est pour que la génoise soit très aérienne et très légère. Donc là, maintenant, on va incorporer la farine petit à petit. Et on la tamise. Bon, on a quelque chose pour tamiser. Vous pouvez prendre aussi bien une passoire. Ça ouais. Marche aussi. Donc là, on va incorporer la farine ouais. En trois fois. Et papa va remuer délicatement sur les bords, en fait, pour ne pas casser cette petite mousse qu'on a fait. Donc, tu vas, Belote? Je remue comme ça. Vas-y. Un petit peu. Bon, oh, vas-y, tu peux y aller encore. Hein. Un tiers. Vas-y. Mélange, papa. Non, pas encore. Il n'y en a pas, là. Appuie. Voilà. Là, ça fait un trou, t'as vu? C'est drôle. Ça fait des montagnes. Ah ouais. Et maintenant, on remue. Pas comme ça. Bon, là, vous voyez, les amis, on remue tout doucement pour pas casser cette petite mousse qui a bien blanchi d'ailleurs. Et ça, ça va faire toute la légèreté de la pâte. Maintenant qu'on a bien incorporé le premier tiers de farine, Océane met un deuxième tiers, donc la deuxième fois, et on recommence. On fait ça trois fois en fait. Maintenant qu'on a une pâte bien homogène, eh bien on va séparer en combien? Voilà, on va la séparer dans 6 petits bols parce qu'il va falloir qu'on fasse 6 couleurs différentes. Donc on va faire une pâte violette, orange, une jaune, une rouge, une bleue et une verte. Alors, on va mettre ça dans 6 bols à part égale et puis après on va les colorer. Donc on y va? Allez. Oui. Alors, quelle couleur on commence, Océane? Par le vert. Alors, le vert, il nous faut 4 gouttes de jaune. Dans celui-là, le vert. Dans le vert, non? Tu peux m'ouvrir parce que j'ai peur de faire la carte. Alors, tout doucement. Oui. Faut 4. Tirer dessus. 4. Tout doucement. Papa, tu comptes, hein? 4. D'accord? Tu comptes. Moi, je vais. Appuie aussi un peu. 1. 2. 3. 4. Hop, hop, hop. Il faudra 3 gouttes de bleu. Alors nous, on va faire toutes les couleurs. Et puis, nous,
Nous, on a pris des colorants, parce que j'en ai pas trouvé. Normalement, je préfère les gels, mais là, j'ai trouvé que des colorants liquides. Trois. Et je vous conseille les gels quand même, sont un peu plus intenses les couleurs, donc on va voir ce que ça donne. Donc nous, on va faire tous nos mélanges, et puis après, bah, on passera à la cuisson. Maintenant que vous avez coloré, tu vas faire quoi, Louloute? Je vais mettre... Moi, je vais verser, et papa va tenir le pot. Alors, tu vas verser dans le cerclage. On a pris un cerclage, là, qui est sur un papier sulfurisé. On a mis un papier sulfurisé dans un plat où vous pouvez faire sur une plaque. Et on a beurré un cerclage. Vous pouvez aussi prendre un moule à manquer ou voilà, quelque chose de rond, de carré, comme vous voulez. Et on va tout couler à l'intérieur et on va le mettre à cuire pendant 8 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Alors là, on va essayer de le mettre tout uniforme, que ça aille jusque sur les bords. Et on va enfourner tout ça et on se retrouve juste après. Papa, il faut pas faire ça, il faut le mettre au milieu et il va s'étaler tout seul. Ah oui, oui, Ousane, elle a raison. Alors, nous allons récupérer la crème qui était au frigo. Et maintenant que c'est cuit, nous allons mettre une fine couche de crème sur le gâteau, puis ainsi de suite. On va mettre un autre gâteau, et puis encore une couche, un autre gâteau, etc. Donc on y va, on va faire en fait le montage. Non. Je vais mettre ton dans les autres couches. Waouh! Alors là, on a tout recouvert la première couche et maintenant on va mettre une deuxième couche dessus, c'est ça? Voilà. Oui. On va mettre le bleu. Alors l'ordre des couleurs, ce sera violet, bleu, vert, jaune, orange et pour finir le rouge. Et une fois qu'on aura tout mis, on va faire une couche gâteau, une couche. Quand tu feras attention quand tu vas manger le gâteau, de pas manger le papier. Couche de crème, etc. Et on va recouvrir le tout, donc on va faire tout ça et on se retrouve juste après. Moi je le jette en l'air et toi tu mets vite le gâteau dessous. Allez, 3, 2, 1. Vas-y, prends l'assiette toi. Et moi je le jette en l'air et toi tu le rattrapes, d'accord? T'es prêt? 3, 2, 1, hop! Oh là là, comment on fait? Ça y est, c'est terminé? Oui. Alors on l'a recouvert de ganache, on a mis de la noix de coco et on a mis des petits Smarties pour faire joli. Alors je vais vous montrer ça de plus près, les amis. Ouh, ah, par contre, ça... Ouh, mais il est très très lourd ce gâteau. Donc voici à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on a fait un petit arc-en-ciel avec des Smarties. C'est le papa qui a eu l'idée de mettre les... Voilà, c'est vrai que... Oh, on devrait pas faire voir. Oh, mais il y a l'assiette. Ouais, non, on va peut-être pas peser parce que déjà l'assiette est lourde, mais le gâteau est vraiment lourd, les amis. Donc là, on va le couper exceptionnellement. Normalement, c'est pour l'anniversaire de Corentin, mais quand même, on peut pas vous faire un rainbow cake sans vous montrer ce que ça donne au final. Alors, bah, vas-y, papa, à toi l'honneur. Non. Bon, ben, j'arrive à la rescousse alors. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Saucisse. Coucou. Coucou les amis. Alors, moi, je viens à la rescousse pour couper ben, le gâteau. Papa a peur. Bah moi aussi j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. Non, je vais pas couper l'arc-en-ciel. Comme ça, plutôt comme ça et comme ça. Voilà, on va couper au milieu, on va voir ce que ça donne. Non, mais le fasse à toi. Voilà, on va voir ça. Et si Corentin, c'est pas grave. Tu scies pas. Il faut pas scier. C'est pas grave, Corentin. Juste pour le voir. Sinon après on va le remettre à maman. Ha ha, il y a Corentin qui est derrière la vidéo, tu peux venir Loulou si tu veux. Il est en train de se tendre la tête comme ça, il est comme ça. Oh mon gâteau. Allez, on y va. On va pas prendre une grosse part hein. Ouais. Oh bah. Enfin. Oh. Moi je serais pas aussi un peu. Non, il faut pas scier, sinon on va tout arracher. Un petit peu. J'ai coupé. J'ai coupé les amis, leur verdict. On y va. Qu'est-ce que ça va donner? Donc ça risque d'être dur à sortir. Là, parce qu'elle est un peu petite. Waouh! 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 Voici les amis ce que ça donne. Trop beau! Je sais pas si vous voyez. Allez, attends, je voulais voir quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, t'as fait exprès. 6? Ah non, t'as pas fait exprès, non? 6 couleurs, 6 couleurs. Ah voilà ce que ça donne. Ah, mais t'as mis même les mêmes couleurs que là en fait. Ah oui, j'ai mis le même ordre, oui. T'as pas fait exprès. Regardez les amis ce que ça donne. T'as pas fait exprès. Si les couleurs, j'ai fait exprès de mettre les mêmes quand même. Mais les mêmes que celle-là. Oui.
Parce que ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont les vraies couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas coupé une grosse part quand même, parce que on va pas le manger ce soir, parce qu'on est le soir. Bah cette part, on va en faire quoi quand même? On va la manger. On va la remettre. Ah ouais. Parce que normalement c'est le gâteau d'anniversaire de Grandin, ça te dérange pas qu'on l'ait coupé? Oh, il sent super bon. Grandin est très, très, très curieux de il sent super bon, à mon avis. Franchement, ça donne trop. À mon avis, ouais, c'est bon. Tu vois l'intérieur? C'est très joli. Waouh, trop beau. Ouais. Ah ouais, c'est ce que ça donne, donc je pense que c'est un plus vers le haut pour maman. Ah ouais. Et pour papa aussi. Voilà. Un peu, voilà. Et pour papa un peu aussi. Et non il sort de Bounty. Et pour papa. Et pour, ah oui, pour papa. Bah oui. Et pour moi. Vers le haut pour maman. Et vers le haut pour moi, c'est moi qui ai coupé le gâteau. Et papa, il a tout fait, lui, c'est pouce vers le haut pour maman. Il y a un problème là. Il y a un souci là. Pouce vers le haut pour maman. Ouais, et moi, j'ai tout fait le gâteau, moi. Et moi aussi, j'ai fait. Les amis, ça sent trop bon, je disais ça. Ça sent bon. J'ai senti celui-là, moi. Tout à l'heure, je le sens, moi. Oui, pouce vers le haut pour Océane. Voilà, pour Océane aussi. Océane et papa, en fait. Maman, là, juste coupé. On voit bien les couches, en fait. Là, on voit les couches de ganache au milieu. C'est juste ce qu'il faut, on va le goûter, on va pas le goûter tout de suite. On le goûtera lors de l'anniversaire de Corentin. D'ailleurs, on se retrouve pour l'anniversaire de Corentin demain, exceptionnellement, parce qu'on sera le 29, et ce sera vraiment l'anniversaire de Corentin. On vous fait des gros bisous, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces vers le haut, nous le dire dans les commentaires aussi. Papa, tu manges pas le gâteau tout de suite. Et puis, écoutez les amis, si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour rien louper de nos vidéos. On fait des gros bisous et on vous dit ciao, 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 ciao. Les amis. Et bisous, on met des gros pouces bleus. Des gros pouces bleus pour papa. C'est sa première recette et c'est son premier gâteau parce qu'il avait jamais fait de gâteau avant. Jamais. Bravo, bravo papa. Bisous les amis. Bisous.